أخلا نغال نغال التوران كذو نفكي نظن نون اللي يرى ذا جاز نسرثيث ذا جاز ناس دوان الحسين يحيى ولا متيد ذا شحال انتكال تي كيو 5 وسينير حسين زول فلك الحسين زول رشيد زول مرام سفليذن ثان ميرتي كاف نوفكاي تي كيو 5 دارني سيمبري كان ديك شمد دغون احسن العربي ما ينير زول فلك زول فلك رشيد ثان ميرت سينوفكاي تي كيو 5 زولا في دي تواليني الكل تنميتي كحسن حسن تسميتي كان ذا قال انتي دوك لا تي وزير يخدم نقدي شي كرزن ديال الماريكان حسين يحيى حسين يحيى صديك صديك شو كيف المسلاي تو غنسقسيو شو داكو ذا فور الزيريك شو الدن وكش الدن ذا فوينس غافاين منقى اسكي دفنو مزروي نار لا فالسيفيكاسيون دو ليستوار او يفون انزر سمور لينيك امكين زمر انكس dans la déconstruire le mensonge historique dans le discours inus et venant à faire quelque chose dans le mensonge de jour ils mettent notre demi connu ils mettent nos chats mais à mesure il y a ça passe à gagner il falsifie en fait c'est la falsification c'est 62 à tout là donc ça va être un gros travail à faire je pense que l'école ça commence par ça on leur a menti tout le temps, jusqu'à maintenant. Uh-huh. Ce qui fait que c'est à nous, en fait, d'écrire notre propre histoire. Oumaïnagui, par exemple, il a un débat à travers les médias sociaux. Ouais. Nordine, et Hamoudan, et puis il y avait les agents du DRS, il a eu même la guerre à Montréal, okay. qui ont essayé de répondre tout en falsifiant encore l'histoire. Il me dit la thèse doctorat d'État, doctorat à l'UQAM, ok. Il a extrait quelques éléments qui faisaient son affaire sur Abdelkader, mais il a occulté l'essence même de la thèse. Mm. Et d'ailleurs, je conseillerais à TQ5 d'interviewer le professeur Ney. Kiddash, il se met Wakela. Je vais donner son nom. Il se ferait peut-être un plaisir Kiddash, de confondre l'agent Egui qui a essayé d'extraire une information partielle de sa thèse. C'était une thèse à l'UQAM sur Abdelkader et les Ottomans. Et l'auteur, c'est Sylvain-Henri Cornac. Sylvain-Henri Cornac. Ah, d'accord. On devait faire même téléphone, là, si vous voulez. Ça serait bien gentil. On va le contacter, le Hussein. Oui. Oui, en fait, oui. Ça, c'est juste une parenthèse. En disant, par exemple, il a crédité l'idée qu'Abdelkader, c'était un héros national, etc. J'ai eu juste le temps de survoler un petit peu cette thèse, là, ouais. Sachant qu'on allait la revisiter. C'est que Abdelkader, c'est quelqu'un qui a lutté pour la Houma. Donc, il a lutté pour la guerre des croisades. C'est pour maintenir. On sait que l'Empire ottoman est intervenu en Afrique du Nord, en Algérie en particulier. Mmh. C'est suite à la Reconquista espagnole, quand ils ont chassé les musulmans d'Espagne. Et puis... il y avait quelques-uns de leurs hommes, parce qu'il était très proche des Ottomans, Abdelkader, et il a continué donc une lutte un peu, le djihad islamique. Il s'est fait appeler émir, comme les émirs qui égorgeaient pendant 300 000 Algériens pendant la décennie noire. Donc, ce qu'il a occulté, ça, il y a aussi, quand il a été mis en résidence, mettons, résidence confortable, à Damas, après en Turquie, ils l'ont amené à Bursa. Tu sais, Bursa, c'était la capitale de l'Empire ottoman. Tout à fait. Donc, ouais. Et il doublait le montant que lui payaient les Français. La Turquie doublait la somme. Wow. Et il avait en fait toute sa suite. Et il y avait même ces hommes qui les a rejoints. Ils ont agi, comme il dit dans la thèse, là, encore une fois, Cornac, ils ont agi comme des mercenaires au service de l'Empire ottoman. Et ils ont fait de la guerre contre la Crimée, contre d'autres. Donc c'est comme des harkis, enfin des mercenaires qui étaient là-bas. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire. Ils l'ont caricaturé comme ça, puisqu'ils me posent la question sur le pouvoir algérien. Ils l'ont toujours trituré à leur avantage, c'est clair. Mm-hmm. Et c'est à nous de, je pense, dans le contexte actuel, tant qu'il y a ce système-là, tant qu'on n'a pas réformé. On n'a pas notre souveraineté, justement, et on n'a pas réformé le système d'éducation, c'est sûr que ça sera difficile à rétablir la vérité historique. – À déconstruire le discours. – Absolument, parce que, écoutez, l'éducation, c'est très important dans tous les pays, et on le sait plus maintenant aujourd'hui, là, avec les neurosciences affectives.
Tout se décide, on peut formater quelqu'un, un être humain, entre l'âge de 3 ans et 6 ans. Et chez nous, ils ont compris ça, mais à l'envers. Ils les endoctrinent pendant ce temps-là. Par exemple, les neuroscientifiques, aujourd'hui, déconseillent royalement de faire même de la violence verbale, l'humiliation, enfin, beaucoup de choses qui se font quotidiennement chez les enfants algériens. Et puis, c'est contraire au savoir scientifique des neurosciences d'aujourd'hui. Tout à fait. OK. الدول العربية سنظن جماعة الثقافية كيرة الدول المغلة تمولين نحسن العربية وتفرس الثقافية كيرة ذا شو تمولين يكش تمون أحسن كتير وكنير أن enfin est-ce que tu soutiens l'idée نحسن حسين نري لوين نظن نسبة دارنوت par rapport à la déconstruction du mensonge historique sur lequel تموت بنا الجزائر ومالوغوزمون أنا والنار أثناء نقارن الإستوار نبغانا ونبغيها الإستوار نسني قارن لثموثني قبيلية تلت رشيد نهنيك تارون أمزروية أمزروية أكني سنة ويس تارون ولا طفنا أغرباز صافي نهني تربي نرى والنار نهني نتفورماتينا كدين الحسين في كاس الحق يمكن الدار نور كان لكن l'idéologie arabo-islamiste fait vie hier, ou d'avouer, on dirait, machi de la corona qui fait un arcane, machi si c'est maharsan et romien, nasi turquien, il devait, c'est-à-dire, c'est deux du Maroc, c'est deux nids du Koulé. Dimernier, je trouve l'Afrique tout gâtant, l'Imazernit, c'est d'Aran, à ce qui n'est pas le Tien Sulms. Et maintenant, je me suis dit, c'est un Mazir, l'armée de Smith Bon, les Hiraliens, je trouve l'arabisation à Kinidak. Au Raiden, ça gagne la génétique de Karbelien. إنزدار نفريك سوغا فاك الملان ذي مازيران وليش صافي غان ساقين ويذ إغ دي ساعدان سي سيارات كثورة ذي مازيران من كل يوم أشو كان طفن تعرف فنان سيدا فلك ذي سجي مارن نكرون ثين كيثن سني مارن أرى ساقيت كميرا أف كاركاسي تبناس جي مارن أرى ساقيت ذي من يمكن إذا مرة سرعة تجميلتي نردين يتحمل دائمي دي ما في ذات سنة قادة أخطر دوي قادر كلهم إقوخرين دوي قاد إشكدفن ذي حركيون دوي دخدان تمورس دوي ذاكنين قطفنا ذا بوان ساقين سجي مارني أرثورا وتكميرن فنان سيدا في الإيديولوجيا وتكميرن شو كانت ثمول تقبيلي تسجيث عند القبريد تجيني ثم ذاك كان زمراحي ثاني ميك أحسن دوغا لغوغيك هذا أحسن وايض أحسن سي فرنسا قبل هذا دوغا لامان الحسين شو تمول لك فانش تكي أحسن الزكي سي تري ديليكا رشيد أجمع باسكو جوي با كومون دير مدوني un savoir que je n'ai pas, que je ne maîtrise pas, qui est celui de l'histoire. Il est vrai, mais ce qui est vrai, effectivement, c'est que l'histoire de ce pays est tronquée. Elle est tronquée de la même manière que l'est donc toute la matrice idéologique de ce système qui est l'arabo-islamisme, je dirais même l'islamisme. Parce que quand on revient à l'islam depuis depuis son avènement, c'est une doctrine qui a été accompagnée par le sang. L'islam n'a pas été répandu pacifiquement comme on a tendance à faire croire. Non, l'islam, il a été accompagné par le sang. Maintenant, l'histoire de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, Kentoura, il y a des discussions. سواء سعر لي مويان تسدم ضاستعى وضا ذاكني لا أفلسة سيد جدا
نغ ساعش لكن لكن على ما يد بس كنا ديالي في الليش ديالي في لك كي سدو سدو صار واحد فيه وين حكم سموت الجزائر ما يعني كيستيون كي 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 طرود سي 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 لي كيل لو رابور على الجزائري est-ce qu'ils ont un rapport véritablement à l'Algérie si ce n'est celui de conquérants ils sont là ils sont en Algérie parce qu'il y a des richesses ma question est la suivante si demain il n'y a plus de richesses dans ce pays. Est-ce que ces gens-là resteront toujours ici? Moi, je ne pense pas un seul instant. Kébé et Darbi sont là, ils ont remplacé l'ancien occupant. Ils sont drapés dans son costume, ils sont là, ils pillent les richesses du pays. Voilà, des Kizmarak, des Nézis, le reste, ben, on laisse... Houssine Yahya, la stratégie diabolique du pouvoir, machin, je n'ai qu'un égléané d'arvel, les mots n'écrivent pas les islamistes. Les islamistes, on va dire, ils commencent à influer sur la société kabyle et à déranger la quiétude de la Kabylie. C'est quoi le Hussein Tchamimor a fait de façon indirecte un scénario qui joue ensemble. Donc, je suis une zmrefnachdim d'arni ou à qui les parasites, les islamistes qui influent la société kabyle. Oui, c'est assez complexe. Hein? En fait, les islamistes, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils utilisent le pouvoir. Ils les ont instrumentalisés depuis, je dirais même, qu'ils ont fait un coup d'État en 62, parce qu'ils avaient un deal avec Nasser. Mm-hmm. Et puis, on a eu les frères musulmans qui étaient en prison en Égypte, qu'il a lâché. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire, là. Mm-hmm. Très résumé, là. J'ai assisté à cette période-là, quand ils ont envoyé des frères musulmans, des cordonniers comme professeurs en Algérie. C'était les débuts de l'islamisation. Mm-hmm. Hein. Et puis par la suite, je vais sauter en 90, la décennie noire. Mmh. La décennie noire où ils ont égorgé 300 000 civils algériens. Et c'était probablement, sur toute vraisemblance, c'est les commanditaires, c'était les services secrets algériens. Et les exécutants, des fois même à leur insu, c'était des islamistes. Ils ont semé la terreur. Mmh. La terreur, il n'y a pas une famille algérienne qui a été épargnée. En plus, le comble, ils les ont amnistiés, ils sont auto-amnistiés. Parce que les deux, hein, l'armée a tué, peut-être plus même que les islamistes, mmh. et puis ils sont auto-amnistiés. Donc ce n'est pas nouveau d'utiliser les islamistes. Aujourd'hui, la Kabylie, elle est occupée. Elle est occupée par à peu près 3 ou 4 forces du pouvoir. L'armée régulière, les services secrets, la DRS... Les islamistes qu'ils ont envoyés, ils ont construit 1000 mosquées, ils ont quadrillé toute la Kabylie, avec donc 1000 imams au moins de l'État, plus la gendarmerie qui a été dégagée en 2001 par les manifestants et l'a réinvestie. La gendarmerie, c'est un corps d'armée, elle dépend de l'armée directement. Et c'est eux qu'aujourd'hui qui font des ratissages en Kabylie pour arrêter les petits jeunes là, qui réclament la souveraineté ou l'indépendance. Ils agissent comme la Gestapo. Aujourd'hui, la Kabylie, là, elle est soumise à un système de Gestapo, pour moi, là. Mm-hmm. C'est exactement les mêmes méthodes. La Gestapo, pour ceux qui ne savent pas, les jeunes qui nous regardent, là, c'est la police secrète d'État, la police politique du Troisième Reich allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils avaient les mêmes méthodes, les exactions, c'est la terreur, l'arbitraire. Ils arrêtent arbitrairement les gens. Et tous ceux qui, avec une visée d'extermination, le régime nazi voulait exterminer les Juifs. Et nous, on parle maintenant de zéro Kabyle. Hein. Donc, ils ont exactement copié la Gestapo, comment ils se comportaient. C'est ça qu'aujourd'hui, la police secrète algérienne. Ils avaient un fameux bureau, la Gestapo, c'est le bureau B4, dirigé par un sinistre Adolf Eichmann. Et aujourd'hui, les services algériens, la DRS, il est exactement comme ça. C'est lui qui indique... Le BRI, là, je ne sais pas comment il l'appelle. C'est lui qui identifie les petits jeunes et puis ils vont aller dans les villages. Ils encerclent le village par la gendarmerie, donc par une force armée, des villages, des gens qui sont désarmés complètement. Et puis, ils vont aller les cueillir dans leur maison. C'est comme ça qu'ils faisaient aussi les ratissages de l'armée française. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, là. Ouais. Quand ils descendaient dans un village, ils faisaient ce qu'ils appellent une opération ou un ratissage. C'est comme ça qu'ils procédaient. Ils n'ont rien inventé, la Gestapo du pouvoir algérien. Donc, c'est clair que ce pouvoir-là, en fait, maintenant, plutôt ce que je voulais intervenir aussi, là, oui, c'est la stratégie, c'est quoi la solution pour nous, là? C'est quoi
la stratégie. Ouais. Jusqu'à date, là, on se rappelle 2001, c'est, tout est parti de 2001, quand ils ont assassiné 130 jeunes Kabyles pour les mêmes raisons. Parce que là, les Kabyles en avaient ras-le-bol, ils se sont soulevés avec les Archenés, donc une organisation séculaire, je dirais, des Kabyles. Ensuite, maintenant, on a vu beaucoup de mouvements, enfin de mouvements, de tendances, de partis. Mmh. Hein, il y en a au moins 6 ou 7, là. Et chacun tire la couverture. Première erreur fatale qu'ils ont commise, selon moi, là, c'est qu'ils n'ont pas impliqué ni des scientifiques, ni des psychologues, ni des, c'est juste des petits politiciens, à la limite, ou des gens qui étaient dans le système, dans la Aïssaba. Parce qu'on a des Kabyles aussi qui font partie de la Aïssaba. Donc ils ont recyclé tout ça, tout ce monde disponible, et puis commencé avec une arrogance aussi, que j'ai dénoncée à plusieurs reprises dans mes lives, aucune stratégie, aucun moyen de communication. Par exemple, le mouvement de l'EMAC, ou les autres, là, je cite celui-là parce qu'il est sur leur ligne de mire en ce moment. Oui. C'est un mouvement fondamentalement pacifique, pacifisme. Mais il ne faut pas confondre maintenant le pacifisme, qui est, c'est des gens qui sont partisans de la paix, donc ce n'est pas en prenant les armes, là, c'est un débat, c'est par la diplomatie, qui veulent négocier leurs droits. Mais il y en a certains qui sont devenus passifs. Passif, c'est-à-dire qu'il y a l'inaction. Parce qu'au niveau diplomatique ou de communication, il y a un gap énorme à combler, Rachid, à commencer par exemple par la communication. Ils n'utilisent jamais l'anglais. Ils sont condamnés à la langue française, donc au duo Algérie, pouvoir algérien, pouvoir français. Alors que nous avons des amis, je salue d'ailleurs Hassan Harvey, oui, aux États-Unis. Tout à l'heure, il va parler de ça. Il y a très peu de communiquer pour exprimer leurs idées en anglais. Ouais. Pourquoi? C'est fatal. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, dans la situation en Algérie, il y a un complot avec la France. Hein, il ne se cache pas de la France, qui défend ses intérêts, et donc il appuie ce régime-là. Sortir de la France et d'Algérie. Tu peux intervenir, Hassan, on débattra. Hein, parce que. Les deux, Hassan, vas-y. Parce que le pacifisme. Rachid, oui. Ça suppose que tu dois utiliser le dialogue. Tu comptes sur l'opinion publique, nationale et internationale. Tout à fait. Donc l'opinion publique nationale, il touche à peine les Kabyles, 10 millions, parce qu'ils ne parlent jamais en arabe dialectal. Donc ils ne touchent pas le reste des Algériens, le reste des Maghrébins. Ouais. Ils sont out. En plus, en français, ils touchent ces deux pays qui sont en train de comploter ensemble pour nous supprimer. Il ne s'adresse même pas à la francophonie, parce qu'il y a quand même presque 80 pays de la francophonie. Mais je n'ai jamais entendu utiliser notre background francophone, nos affinités avec le Québec, avec ces pays-là, pour avoir la sympathie, l'appui. Parce que le pacifisme, c'est ça, il faut que tu arrives diplomatiquement, il faut que tu aies des amis. En anglais, ils sont plus favorables. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent aussi à être autre chose, c'est qu'on souffre du jacobinisme. Que la France nous a collé. C'est une photocopie du système d'État français. Et il se trouve, dans le monde, il y a plus de 25 pays qui sont des fédérations. C'est comme les États-Unis, comme le Canada, comme d'autres pays. C'est des fédérations ou des confédérations. Et ces peuples-là, ils ont un dénominateur commun. Ils parlent tous anglais pour la plupart. Et c'est des anglo-saxons. Et de deux, c'est les nations les plus développées économiquement au niveau mondial. Et on ne les touche pas. Tu arrives demain avec cette cause-là, Kabyle, aux Nations Unies, ces pays, il y a des pays. Moi, j'étais sidéré de découvrir quand même des pays proches, comme l'Italie ou l'Espagne. Ils ne connaissent pas notre cause. Ils pensent que les Nord-Africains, c'est des Arabes et des musulmans. L'Allemagne aussi. L'Allemagne aussi. Mais c'est à qui la faute, Rachid? C'est aux gens, à ces mouvements-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller expliquer? Absolument rien fait. Non, les pays africains, kiff-kiff. Nous avons l'Organisation de l'Unité africaine. On aurait pu capitaliser parce que tous ces pays, les riverains, par exemple le Mali, il est harcelé par les islamistes envoyés par l'Alger, par l'ACMI. Tombouctou, tous les téléspectateurs le savent, Tombouctou a été démoli par des islamistes algériens. Il y en a deux d'ailleurs qui ont été chopés. Il y a un qui est condamné, je pense, à 9 ans de prison, un autre la semaine dernière qui va être traduit aussi devant la Cour pénale internationale. Crimes de guerre. Ils ont commis des crimes incroyables. Boko Haram, c'est la même chose.
Aujourd'hui, les services algériens, l'Algérie, Alger, est devenu le vecteur de l'islamisme international, donc du terrorisme international. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces mouvements, pour aller les démasquer? Au lieu de les mettre sur la défensive aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de dire que les indépendantistes ou les souverainistes kabyles, c'est des terroristes. Alors que, est-ce qu'ils ont rendu des comptes sur ces 300 000 Algériens civils qu'ils ont tués, assassinés, sur les 131 kabyles qu'ils ont assassinés en 2001? Non. Ces dossiers-là, est-ce qu'ils ont constitué ces mouvements indépendantistes ou souverainistes des collectifs d'avocats pour les traduire devant les tribunaux, la Cour pénale internationale? Okay. Donc il y a beaucoup de choses. Les points qu'il développe, Al-Hussein, sont très importants. Il y a un manque de stratégie terrible, surtout au niveau international. Absolument. On ne sait pas comment s'en sortir. Si tu permets juste un autre point. Vrasla aussi. Un autre point très important aussi, là, parce que pour la communauté européenne. Oui. La communauté européenne a signé des accords économiques avec l'Algérie, mais conditionnellement à ce qu'ils respectent les droits de l'homme. Voilà. OK. Alors, est-ce qu'ils s'adressent aux Européens ou moi? Parce qu'ils sont tous en France, là. Qu'ils aillent à la communauté européenne. Par exemple, le problème écologique. L'Algérie, enfin, la Kabylie est en train d'être brûlée depuis 20 ans. Chaque été, l'armée algérienne bombarde les forêts de Kabylie. On a des témoignages là-dessus. Oui. Il y a des vidéos que je viens de faire parvenir à Riposte International. 15 vidéos. Ouais. Ils brûlent nos forêts, ils brûlent les oliviers centenaires et tout ça. Donc, ils sont en train de s'attaquer non seulement aux Kabyles, ils s'attaquent à la destruction écologique de la planète. Et nous avons combien d'organismes dans le monde qui luttent pour contre le changement climatique? Tout à fait. Est-ce qu'ils sont au courant de ce que fait ce pouvoir? Non. Ouais. C'est une achète avec je ne sais pas combien de flottes d'armées, d'avions militaires, des MiG-35 ou je ne sais pas quoi là, qui coûtent une fortune. Ils n'ont pas de Canadair en Algérie. Tous les pays riverains, y compris le Maroc, ils ont les Canadair de dernier cri pour aller éteindre les feux dans les montagnes. En Algérie, on a avec un petit tuyau, le pauvre pompier avec un petit tuyau, là. Ça marche pas. Donc, c'est criminel. C'est criminel, c'est, oui. C'est doublement criminel. Le fait d'allumer le feu, et ça, c'est une présomption. En fait, on avait des images des avions. Mais ce qui est sûr aussi, que c'est le pouvoir, c'est qu'il n'a rien fait. Donc, il n'a pas acheté des canadaires pour éteindre le feu. OK? Donc, c'est vous, alors que tous les pays méditerranéens riverains, je le dis bien, ils ont des escadrilles de canadaires ou d'hélicoptères bombardiers d'eau. Mais la conséquence, c'est ça que je voulais dire, c'est que le Sahara, le changement climatique, et maintenant, le Sirocco arrive en Europe. Ça fait chaque année maintenant, deux, trois fois dans l'année, toutes les voitures, même en France, elles sont ensevelies de poussière de sable. Ouais. Le Sirocco, qui est en train d'avancer, maintenant, il va traverser la Méditerranée bientôt, alors que ils ont gaspillé combien de millions, de milliards, pour essayer de stopper le Sahara, avec des appelés, planter des arbres. Ouais. Et au Sahel, les pauvres, là, vers le sud aussi, l'Afrique noire, ils sont en train d'essayer de planter des petits arbres. Et ils brûlent des arbres centenaires, là, qui sont déjà là. Alors, tu vois un peu la contradiction. Il faut que ces organismes-là soient saisis au plus sacré. Tenmit Al-Hussein, Hassan, mazali kien Hassan Al-Arvi. مازال يرجع راشد. لاش تمور لي نيكلا دغا يعجبني البوان كي دينا القبايل شكون نطس دي فرانسيس دي فرانسا لوك دي فرانسا ني سي اي بوينسيف سو تو لي بلون دونك او ليو دوفرير لي زيو فير دوتر لانغ نوتامون لونغلي كي تي دير دي الامريكان لاش نزم انا ناخذ نون سونس لا تي دي تاينا دي ني دينا الحسين شو كان انكينيو تلو مغارا فاكين غافيهن نسكي كوزيس أمشي أربيا ونسود سارني مننا بشكل أتجهد لا دياسبورا لنا أشمون يتصور أول لنا أصحاب أمريكا نغل كندا نغل دانيطن ولدي فرنسا ولدي فرنسا إنجا قوان القبائل زمر ذا دينيض إذن أقبائلي أريد بوضارا أريد حقارا خطر زمرضة الدنيا القبائل وسانا راه يوث نتود الساعة يصقمن زمرضة يدفكي ضيوث رشيد فكيتين ولاش اسمي اني زمير انا نسود سيمانا اني زمير انا مسلي ذاكي لي ماريكان زمرضة الدنيا بلي ونقوارا ام الكندا نعرف موتي بورا نظن يما انا
أو الدنيا ما كلين سهلاً تمورت الأمريكان تجهدث تصادق مش متسر وما هذه نيويورك تايمز هذه واشنطن بوست نعرض ما كذا ونعرض ولا نعرض ضد ميلاني نعرض أسكرتي كذا أدظر وثواغي فنعرض مش هذا أنسي وضوء الناس تسد المدن إما أنسي كازي مو أمبوسيبل ثورا ما يبلد الحال إذا قد لا ببليسيتا دنا عقو بعضي جانان باش ديأتي وولنا أنخلص كذا وكذا أنا أتوغل تزريمت مي سواء أتوغل أرتدريمت داني تدريمتني دانا أتوغل أرثود سا أسكن زمران سود سيمانا باش نخدم أفوس دقفوس لكن نسيوض أنسالي الحاجة ذا نشتاقي يون زميرا غير لما كو زميرا أخطر القبيلو تتعوان نارا لما ك لان شريك عقال اندي ساري يخدمني يخدمني نمو زمرا ويضا قيم انت من دفية أتفرج هذا هو غفل النام تنس القبيل اللورا نزمرا ناقضين لأي نمو نزمرا لقيا وإما أنه يتحريك واش بميك أخطر يفدن كاول أنا كي أنا أحسن سين لوغي كان نوح فرنسا أحسن أتزيكي ثوري ثم قحط فرنسا فرنسا هي كي جوستومون دينا مال ولا شما ولاش لان 2 مليون كابيل اي ناريف با انفلونسي اسكو سي دو جوستومون سيت فرنس كوني كي نو زيتوف دوبي 1957 بلوتو اكثر مازال نو زيتوف كومون سا سفي كو 2 مليون اي نو ريان بو فير الو كان يكون لان 2 مليون من قبل دي امريكان دي كندا سي سور خدمن دي شوز اسكو فرنسا ني كلكو با c'est pas un facteur de blocage qui dit na Hussein Yahya le jacobinisme français il rien à sur tous les plans justement les kitchener autrement dit la diaspora kabyle française et wa chose mira تخدم اكن لقات ادخل لي دياسبورا فيا تفضل لي زوكرينيان par exemple 500 000 un quart de la population kabylie ils ont pu imposer quand même un président sans cause à un moment donné de par zakini c'est pas un groupe d'influence qui est assez puissant. Comment tu expliques ça, Hassan? Ben, il s'agit là de réalités très, très différentes. C'est pas la même chose. La diaspora de Guinée-Français, il y a quand même les pesanteurs de l'histoire qui pèsent sur elle. Ça n'est pas aussi évident qu'on puisse le supposer pour essayer de comparer la diaspora de Guinée-Français à celle qu'il y a au Canada, donc en grand nombre et accessoirement aux États-Unis. Ceux qui sont au Canada, c'est une élite politique. D'ailleurs, aujourd'hui, la faiblesse de la Kabylie vient justement de l'exode de ces élites qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis. Des Français, non, des Français, la diaspora, elle a quand même un parcours historique qui est très différent. Elle remonte à la fin du 19e siècle, ça, Zessaouen. Il y a les vicissitudes de la guerre d'Algérie. Il y a aujourd'hui donc ce nationalisme effectivement algérien qui est toujours présent. Il est toujours là. Donc c'est difficile de comment dire de dire aux gens voilà ne plus se réveiller ne voyez voya. Là ne réveille les Sergueï qui ne veulent pas en entendre parler. À Khatan, là, il y a ces pesanteurs de l'histoire. Il y a également la diaspora de Guinée. Elle n'a pas échappé au même travail de sabordage qu'a été le peuple algérien. Il ne faut pas oublier le rôle de l'amicale des Algériens en Europe, qui a été quand même un rôle très néfaste vis-à-vis de la population algérienne. Il ne faut pas oublier que la population de Guinée, elle est encadrée, je ne sais pas, par une trentaine de consulats, ce qui n'est pas rien dans un pays. Il y a une trentaine, voire plus, de consulats algériens en France. Donc tous ces éléments-là font qu'il y a cette difficulté à l'émergence, effectivement, de cette diaspora et de travailler très efficacement. Mais le problème qu'il y a, le problème numéro un, c'est que nous n'arrivons pas à nous convaincre nous-mêmes de ce que nous voulons. Et là, tout le problème. Avant de penser à vendre notre cause, donc, à l'opinion publique mondiale, internationale, il faudrait d'abord que nous soyons capables de vendre nos idées aux nôtres, à nous-mêmes, tous tels que nous sommes. Saguenir qui veut d'arbitre la stratégie, c'est d'abord commencer par nous soumettre à des révisions déchirantes
Ces révisions, nous devrions nous y atteler. L'histoire, la réalité, pardon, pas l'histoire, la réalité et l'avenir nous obligent à aller dans ce sens-là. Vous avez évoqué tout ce qui s'ensuit, sans enlever quoi que ce soit à ce qu'on a fait. Mais le Macron a fait énormément d'erreurs qui sont dommageables pour notre société. Moi, je n'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, le MAC est devenu un facteur bloquant pour toute l'émergence d'une solution stabilisée, dans le sens que tout ce qui ne vient pas de lui, tout ce qui ne vient pas de lui est rejeté. Dans mon interview de juillet, je crois, 2020, je crois que j'avais abordé cette question en terminant l'interview en disant que les clés sont entre les mains de Farhat Mahni pour aller justement vers les siens. Aujourd'hui, le défi qui nous est lancé, c'est d'être capable de se mettre tous autour d'une table, de se parler. On n'est pas obligé de se mettre d'accord. Soyons capables de nous mettre autour de la table et de se parler. Alors, quand vous voyez ce paysage-là de défragmentation, et de division, comment voulez-vous vendre cette marchandise, entre guillemets, pardonnez-moi l'usage de ce terme, si vous voulez, à la clientèle qui est l'opinion publique internationale. La dernière intervention, parce qu'il a quand même signé une... D'accord, je vais essayer d'être rapide. Vas-y, pour notre ami de France, parce que je connais aussi la France, j'ai fait mes études là-bas. Okay? Oui. La France, en fait, pour notre diaspora maintenant, on a eu 20 ans, depuis 2000 à peu près, qu'on parle de 2001, qu'on discute de souveraineté ou de solutions, etc. Mm-hmm. Je suis d'accord avec lui que certains, ils ont un ego peut-être un peu mal placé là, et puis très arrogant dans la démarche pour convaincre même la Kvayel. C'est sûr que c'est un problème. Mais mon point, c'est que, la France... On sait que j'ai dit que c'est un État jacobin qui a des intérêts monstrueux avec l'Algérie. J'ai ramené ici un numéro arraché du Nouvel Observateur. De 29 octobre 1997, numéro 1720, où il révèle quand la France testait ses armes chimiques en Algérie. Nouvel Observateur. C'est un dossier que tous les Kabyles qui se respectent doivent lire. Et on apprend que les essais nucléaires et chimiques français en Algérie ont continué sur une base secrète 16 ans après l'indépendance, c'est-à-dire de tout le temps de Boumediene. La pire Boumediene, oui. Absolument. Donc ils avaient ces intérêts-là. Ouais. Maintenant, ils ont d'autres intérêts, le pétrole, le gaz, etc., qui sont venus se superposer à ça. Et il n'y a pas deux semaines, juste avant les pseudo-élections, le ministre des Affaires étrangères français et à l'Assemblée française, il s'est levé, il a dit qu'ils ont des intérêts essentiels avec l'Algérie. Donc il n'y a aucun doute pour moi que la France, je pense que c'est la France qui porte le système algérien. Donc on ne peut pas s'attaquer au système algérien si on ne confond pas la France avec ses responsabilités. Tout à fait. Et on ne le fera pas en France, ils ont étouffé nos communautés. Certains, si j'ai connu l'historique, ils les ont écrasés. Mais aujourd'hui, ce que je dis à notre diaspora en France, vous n'êtes pas obligé de rester en France, de mener le combat en France. Faites-le à l'échelle européenne. Pourquoi je dis, allez-y en Allemagne, allez-y en Suède, allez-y dans tous ces pays-là qui vont beaucoup plus nous comprendre notre problème. L'Espagne, l'Italie, c'est ces pays-là qui nous sont favorables et non pas la France. La France, elle va continuer, même au sein de la francophonie, à nous mettre des bâtons dans les roues. L'autre point que je voulais apporter, qui soit rassuré, Hassan, j'ai cité le MAC comme ça, mais je n'ai rien contre le MAC, ok ? Loin de là. Maintenant, ils ont des erreurs, tout le monde en fait des erreurs. Il n'y a que, comme disait l'autre là, il n'y a que les gens qui travaillent qui font des erreurs, ok ? Maintenant, pour sortir de l'impasse actuelle, là, si j'ai fait ça, je pense que vous pouvez trouver ça sur ma page Facebook. Oui. Moi, je suggère, au lieu de... Là, chaque mouvement appelle pour une conférence nationale, conférence régionale, machin. Mais quand tu leur poses la question pourquoi faire, qu'est-ce qui va sortir de cette conférence, qui c'est qui va y avoir dans cette conférence, alors là, c'est le brouillard total. Okay? C'est comme si une solution magique là. Mais ce qu'il faudrait faire, ce qui nous manque, en fait, le lien, c'est celui qui va lier les deux diasporas,
Kabyles d'Amérique du Nord et européenne, et aussi tous ces mouvements kabyles-là, c'est de revenir au conseil des sages, l'Uqal, okay, qui sont pas des partisans politiques. Il nous faut dégager des personnalités kabyles avec une parité homme-femme. C'est essentiel. C'est pas, on ne va pas reproduire Tejmaat Nia d'antan. C'est une Tejmaat modernisée. Un espèce de conseil consultatif. Tous les gouvernements du monde, ils ont des conseils consultatifs. Et dans ce conseil consultatif, il y a des critères. L'intégrité, la compétence. Tout à l'heure, ils ont exclu des scientifiques, ils ont exclu des médecins, ils ont exclu des psychologues. Les problèmes qu'on vit là de comportement, c'est lié à la guerre d'Algérie, c'est lié au terrorisme à Guy en Algérie depuis l'indépendance. Et on a la population générale algérienne ou kabyle n'a pas bénéficié d'un seul traitement, accompagnement psychologique. Donc il y a des problèmes de comportement, de travailler en groupe et tout ça. Et nous avons des grands psychologues, tu connais au moins un, Hamid Salmi, il n'arrête pas d'écrire là-dessus. Mais il faut consulter ce conseil des sages-là, et on va aller chercher ces compétences-là, et aussi des critères de réussite, là, moi c'est ce que je leur dis, c'est qu'il ne faut pas que ce soit des gens qui aient eu des fiches de paye du gouvernement algérien, pour éviter tout conflit d'intérêts ou d'infiltration par leur Gestapo. Donc il y a des critères pour ça. Et ils auront comme mission de ramener de l'éthique, kabyle, l'éthique, nos valeurs ancestrales qui nous ont permis de survivre jusqu'à aujourd'hui, non, malgré, en dépit de toutes ces invasions. Donc les valeurs nées, comme j'ai entendu parler tout à l'heure de Tirugzan, on veut faire appel à Nif, on va faire toutes ces valeurs-là qui font partie des valeurs universelles. On va faire un tri, parce qu'il y a des fois des trucs qui sont archaïques. On est capable de faire le tri. On a une diaspora très forte à l'échelle universelle qui va nous aider à promouvoir les valeurs que nous pensons que c'est des valeurs universelles. Et puis ce conseil consultatif ou ce comité des sages-là, il va veiller à ça. Et quand il y a un mouvement quelconque qui fait des dépassements, comme on a vu plein de chicanes, ils vont faire un communiqué. Donc on aura comme un repère. On n'est pas comme ça dans la nature, là. Ce n'est pas n'importe qui vient. Combien de fois j'ai entendu des vidéos, des émissions de télévision, assurer, ah, lui, il est kabyle, l'autre, c'est un DRS, l'autre, c'est ceci. Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est parce qu'on n'a pas de recours. Il n'y a pas une autorité morale qui veille à l'éthique, qui va dire, attention, Wagi, c'est une crapule, il a travaillé au DRS. Wagi, c'est ceci. Tu comprends pas ce que je veux dire? Qui va transcender les partis politiques, et il faut qu'ils soient représentatifs à Rachid, de Ziama Mansouria jusqu'à Tizine Taïcha. Pour qu'il n'y ait pas de gens de région. Tan Mekhatas Al-Hussein, tu as raison de vous dire que tu as raison de vous dire que parmi les solutions. وي احسن هذا نوض واحد زعما درنا كان يونو ولا واحد احسن واحد notamment sa dernière phrase il a dit il faut que ce conseil de sages soit représentatif des gens de Ziama Mansouria Harm El Boumerdas. Et ben c'est exactement le retour à 2001, c'est ce que je ne cesse de plaider personnellement, c'est revenir à l'organisation de 2001. Je pense qu'on pourra pas faire l'économie de cette organisation justement ancestrale qui a contribué effectivement à dégager la gendarmerie, les services de la gendarmerie de la Kabylie, etc. En fait, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de travailler dans le temps? Tout notre problème, il est là. Nous sommes pressés. Nous ne travaillons pas dans la durée. Nous avons besoin, effectivement, il a parlé donc de l'élite et Mousnaouen, les scientifiques, chacun dans son domaine par ici. Nous aurions aimé qu'il nous décline une méthodologie de travail, une voie à suivre. Moi, j'ai essayé d'esquisser un truc où j'ai retenu comme principe celui des cercles concentriques, c'est-à-dire qu'on va commencer par des petits noyaux qui s'élargissent au fur et à mesure, jusqu'à rassembler un maximum de gens pour revenir, j'en termine, à l'idée de la conférence citoyenne nationale Kabila, Knir et Awesn Sumé.
on se projette pas dans un travail d'un mois. C'est un travail de 6 à 1 an. Ça, c'est pour les préparatifs de cette conférence. Combien sommes-nous aujourd'hui, comment dire, combien sommes-nous arrêtés? Donc, ce travail dans le temps, quand on voit tout ce que on a décrété comme ceci, comme cela, je ne vais rien nommer, de peur d'être encore catalogué, je ne sais de quoi, sans qu'il y ait la moindre concertation, sans qu'il y ait le terrain, etc. etc. Donc, encore une fois, pardon, d'un mot, encore une fois, nous devions tabler nos délibérités. Tenmik Hassan, Tenmik. Une minute juste, parce que c'est très important ce qu'il a mentionné, la voie à suivre. Tu as raison, ça peut être cette approche-là, cercle concentrique. Moi, j'ai pensé aussi à d'autres choses. Les réseaux, hein, avec Hassan Harbi, il se rappelle, il était un des fondateurs du réseau Amazirnet dans le temps. Oui, okay. le premier Facebook. Et il m'avait remis un prix, un Erez, un Tmediast. Je fais Hassan Harbi, Amazirnet. Oui, Amazirnet. Donc, il faut utiliser ce que je veux dire là, ces réseaux. Nous pouvons le faire en moins d'une semaine. Nous, ça a l'expérience, on a des contacts dans tous ces mouvements. On peut identifier, dégager même une soixantaine de personnalités qui ne sont pas mêlées, qui ne sont pas polémiques, qui sont l'intégrité, l'éthique, etc. Là. Voilà. On peut les réunir et avoir des premières discussions via Zoom. On peut le faire. Voilà. Et puis, on peut élargir, effectivement. Chacun va identifier pour assurer la représentation. Comprenons tout, les politiques, les académiciens. Exactement. Mais parce que j'ai une des erreurs qu'on a commises, là, je te dis, c'est qu'on a évacué tous les intellectuels, pratiquement. Voilà, c'est ça l'erreur. Okay? C'est une erreur fatale. L'autre ami de Francine, c'est de l'autre faute, peut-être, qu'il y a eu un exode, un exil. Mais justement, moi, ça fait 45 ans que je suis exilé. Non, pardon, c'est Khatar Hussein. Al-Hussein, jamais direct de votre faute. Non, chacun sait Khatar. On nous a exilés, justement. Limite, voilà. On nous a exilés. C'est justement pour ça qu'on est mordu, peut-être plus que les gens de là-bas. OK, autant que les gens de là-bas, sinon. Oui. Et puis aussi, pourquoi pour Hassan? Pourquoi c'est important que ce soit les deux diasporas? Il faut qu'on fasse un arrimage entre la diaspora en Europe. Peut-être qu'on peut les aider, parce qu'on voit les bâtons dans les roues qu'ils ont en France. On peut les sortir de ce piège-là. Et eux, ils peuvent nous apporter aussi beaucoup. Ils sont plus nombreux que nous. Voilà. Donc, il y a un partenariat à faire entre les deux diasporas. Et il faut qu'elles se parlent, ces deux diasporas. Et par défaut, comme on dit, c'est les réseaux, Internet, c'est qu'on peut amorcer ça. ce dialogue-là. Tout à fait. Tenmit al-Hussein, tenmit al-Hassan, tenmit al-Hassan, parce que l'anouïa d'un chemin, c'est une fille qui a été à l'ouverture. Voilà, nous avons discuté une gourra, c'est une fois qu'il y a une ouïa. Tenmit al-Hassan, c'est Hassan, c'est même la sama qui a été dans nous. J'ai eu là. Ça, c'est Hassan, Zikir. Hassan, l'arrivée, c'est qui a été dans nous, c'est bon? انتخر فرنسا الجاكوبينيزم انتخر الو اف ال ان انتخر الزايميزم انشتاكين يفكي اخصا الو لي زاميك كي تدنا تبع لي زيدي ماشي داك غازنا فوالا تيكتي وين ناشي لقى انتخر في الزايميزم انخدم اخدي مني يخدم وفروخي بنون لاشيس اي قلت نسينا لا ما نبدو يخدم نبغى ديغري كلشي دين موراش سافا با il faut travailler doucement, lentement, chitah, et venu fulles. Et Guillaume Mazur, c'est un scénario. Thénmiti Kassin Larvé, c'est Philadelphie américaine. Thénmiti Kassin Nazikir, c'est. Thénmiti Kassin Nazikir, c'est Strasbourg, c'est France. Ou Thénmiti Kassin Hussein Yahya, tu auras un staff ou chitah, ou un lithium, ou un lithium. Qu'est-ce que tu as dit?